Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge qui est donc sur Aladdin. Donc, comme d'habitude, c'est la vidéo avec ma bichette Manon que je vous mets juste en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir son make-up, sa vidéo, bien sûr, vous abonner à sa chaîne, lui laisser des gentils commentaires, plein de pouces en l'air et tout ça, comme d'habitude. Et voilà. Donc, bien évidemment, elle a choisi Jasmine, qui est donc la princesse. Hein. Princesse, elle choisit très souvent les princesses. Elle est très à fond dans les princesses. Et moi, devinez qui j'ai choisi? Jafar. Je suis très vilaine. Donc, bah écoutez, on va attaquer tout fuite. Je prends ma photo de Jafar. Si je le retrouve, ce petit vilain. Viens ici, petit coquin. Alors, on va partir dans du rouge bordeaux. Je vais me rapprocher un petit peu. Rouge bordeaux et doré, bien évidemment. Donc, j'ai déjà fait ma petite déco de tête. J'ai fait cette coiffure-là. Et j'ai fait... Moi, hier déjà, ma déco de tête pour mettre ici. Voilà, pour pas devoir coller tous les strass un à un. Mais comme ça, il y a la petite plume. J'avais pas un gros strass brillant, donc j'en ai mis plusieurs. Voilà, j'ai juste mis sur... j'ai mis de la colle à fossile sur du papier sulfurisé. Et j'ai tout collé, enfin, placé. Et j'ai attendu que ça sèche. Et ça fait donc une pièce que vous collez directement. Donc... mon petit papier avec mes petites nidées. Et je vais commencer avec la palette Berry de Beauty Bay. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre un très gros pinceau et je vais directement attaquer avec du rouge. Il a du rouge assez foncé et du bordeaux assez foncé. Je vais prendre celui-ci, qui est le deuxième de la palette. Et je vais alors déjà balayer ça sur toute ma paupière. Donc on n'hésite pas à bien déborder partout. J'ai pas fait mes sourcils exprès. Donc je dépasse bien partout, partout. Donc j'ai pas mis de base hein, parce que je me suis dit que c'était pas indispensable vu que j'aurais pas mis de la base partout. J'aurais pas mis de la base ici quoi, vous voyez. Donc j'y vais. Hein. On repasse par-dessus à chaque fois pour intensifier un peu le fard. On blende en même temps. Alors je vais prendre un pinceau plus précis mais toujours assez fluffy. Voilà, ce genre-là. Et je vais prendre le ici le bordeaux. Donc là, je vais faire mon creux, mon coin externe et mon ras de cils. Je creuse bien ici aussi. J'étire en pointe ici. Alors ça fait pas une grosse démarcation. Je vais peut-être prendre un pinceau plat. Fluffy. Si j'entends. Non, toi. Ah oui, c'est mieux. On voit un peu plus. Hein. C'est pas non plus une démarcation de foufou, mais. Et je vais faire la même chose avec celui-ci, ici en dessous. Au moins dans le creux et le coin externe. Voilà, je reprends mon premier pinceau pour bien tout blender, tout estomper partout. Alors, je vais prendre celui-ci au doigt pour mettre sur ma paupière mobile. Et je vais prendre celui-ci, je vais en mettre en coin interne aussi, mais je vais le rajouter par-dessus et sous ma chenille. D'ailleurs, je vais en mettre un peu partout.
Voilà pour les fards. Je pense que là, on est pas mal. Alors, je vais passer au liner noir. Donc, je vais prendre le cola, ça ira plus vite. En coin externe, j'aimerais bien faire le liner comme un peu comme les épaulettes. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. On va essayer. Donc, on va partir de là. Et ça descend comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Donc là, je remplis. Bon, je l'ai fait un peu épais, mais tant pis. Alors, ensuite, ici, je vais faire un triangle noir, tout simplement, parce que j'ai envie. Et ici, j'aimerais bien repartir en faisant la barbichette. Donc, elle fait une vaguelette et puis une petite bouclette. J'aime bien. Ok pour le liner noir. C'est ce que je pensais. Je suis bien contente. Et ça, c'est tout à fait le genre de dessin que je peux faire après, tout le temps. Alors, en ratier, je vais coller quelques strass. Donc, c'est des demi-billes dorées. Voilà, on reste dans le rouge et le doré. Hein. Je vais maintenant passer au liner doré Meron. Alors, je prends un petit capuchon. Je mets de la poudre dedans et du mixing liquide Meron. Alors, sur son turban, il a des vaguelettes dorées, comme ça. Donc, je vais carrément prendre l'autre côté. Donc, ça part du rond. Que moi je mettrais ici donc, comme ça voilà je vais faire un trait ici ouais, je vais relier ici. Ok, bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste prendre le côté plus fin de mon pinceau. Je vais faire un trait ici. Tant que j'ai du produit. Hein. Mascara, je vais coller mes accessoires. Pour les lèvres, je vais mettre le NYX Copenhagen. Et je vais refaire un trait doré comme ça ici. Et je pense que je peux venir vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le look final pour Aladdin slash Jafar. Je crois que c'est un des Disney Challenge que je préfère. Voilà, je trouve que c'est très bien dans le thème. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, voilà. Donc le prochain, c'est Atlantide. Et ensuite, on sélectionnera deux ou trois, si Amy veut participer, Disney. Et on vous fera choisir l'ordre de passage des vidéos. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Manon qui est toujours dans la barre d'infos, de lui mettre des pouces en l'air, de vous abonner chez elle si c'est pas encore fait. Et tout pareil ici, hein, on n'oublie pas le pouce en l'air, de s'abonner, de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look et si ça vous étonne que j'ai choisi un vilain.
Et voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Ça me perturbe, je vois pas mes yeux. Ça fait tout blanc, moi, mes yeux, en retour caméra. Et voilà, mais j'aime beaucoup. Donc sur ce, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous, bisous.